Le SEO est une mauvaise idée pour mon business. Et pourtant, je suis référenceur. Je suis référenceur et je n'ai pas fait de référencement l'année dernière pour mon site. On dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés, mais ce n'était pas le cas, parce que c'était volontaire. Et du coup, l'année dernière, je n'ai pas fait de référencement, mais cette année, je vais faire du référencement et même de façon beaucoup plus massive. Donc, je vais vous expliquer pourquoi c'était une bonne idée de ne pas en faire l'année dernière et pourquoi c'est devenu une bonne idée d'en faire cette année dans le cadre de mon business. Ça devrait vous donner des idées pour vous, pour savoir s'il faut ou pas en faire dans votre propre cas. Pour vous donner un peu le contexte, depuis 2017-2018, j'ai commencé à faire un pivot dans mon activité, à ne plus faire uniquement de la prestation de service, mais à faire également de la formation. Alors aujourd'hui, mon entreprise continue de faire les deux, mais c'est vraiment ce pivot qui a fait que j'ai commencé à faire de la production de contenu, notamment sur mon blog. L'objectif de cette production de contenu, c'était d'alimenter mon site en trafic, donc faire de l'acquisition. Alors pourquoi je n'ai pas fait d'acquisition par le référencement naturel en 2021, ou en tout cas très peu, et pourquoi je vais m'y mettre beaucoup plus en 2022? En fait, 2021, ça a été vraiment une année charnière. Une année où j'ai pu valider ma preuve de concept, proof of concept en anglais. Cette preuve de concept, en fait, c'est celle qui va donner la faisabilité d'un projet et qui va montrer si oui ou non on peut aller plus loin dans ce projet en particulier. Dans mon propre cas, cette preuve de concept a été validée parce que j'ai pu répondre en 2021 à trois questions de façon positive. La première question, c'est est-ce que je trouve un marché en face de mon offre et est-ce que ce marché est content, a de la valeur grâce à l'offre que je lui propose. Finalement, c'est ce qu'on appelle le product market fit. Est-ce que j'ai un produit qui fit, ça veut dire qui correspond à mon marché? Et est-ce qu'il y a un marché qui adhère à mon produit? Si on n'a pas ça, c'est pas la peine d'aller plus loin parce qu'on pourra mettre en place toutes les meilleures communications du monde. S'il n'y a pas une adéquation entre les deux, ça ne peut pas se coïncider et ça ne peut pas donner un marché économique. La deuxième question que je me suis posée, c'est est-ce que mon activité est encore rentable si je la scale? Scaler une activité ou avoir une activité scalable, c'est le fait de pouvoir la développer plus fortement que le temps consacré à cette activité. Je vous donne un exemple très simple. Si vous échangez votre temps contre de l'argent, au bout d'un moment, vos journées ne font que 24 heures. Si vous ne dormez pas, vous ne pourrez pas travailler 25 heures par jour. Donc, il y a une limite à la délivrance que vous pouvez donner à ce que vous faites. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas aller au-delà de 24 heures. Vous aurez un plafond de verre que vous ne pourrez pas dépasser. Avec la formation en ligne, par exemple, une fois que la formation est enregistrée, que je la vende à une personne ou à deux personnes, ça ne va pas me prendre vraiment plus de temps. Alors, en réalité, quand même, parce qu'il y a des exercices, il y a un suivi, etc. Donc, plus il y a de personnes dans la formation, plus il y a de travail quand même. Mais ce travail, il n'est pas doublé à chaque fois qu'il y a une personne de plus qui est rajoutée dans la formation, en fait. Donc, ça donne quelque chose où on peut mettre une structure autour, mettre une équipe qui va s'occuper de différents points pour rendre cette activité scalable. Mais la grosse question, c'est est-ce qu'on est encore rentable une fois qu'on a scalé? Parce qu'on pourrait se dire que, ok, je vends une formation, je suis rentable, j'en veux deux, je suis rentable, j'en vends trois, je suis rentable, parce que je fais tout seul, par exemple. Au bout d'un moment, j'en vends 50, est-ce que j'arrive à m'occuper de 50 personnes? C'est que mon temps que je mets en face, donc peut-être que je suis rentable. Mais s'il faut que j'embauche quelqu'un qui va travailler là-dessus et qui va faire que ce que je gagne et ce que je dépense est égal à zéro, je n'ai plus du tout ma rentabilité dans mon entreprise. Et donc, même si je peux scaler par le modèle économique, je vais être limité parce que peut-être mon prix n'est pas assez élevé, peut-être que voilà, il y a des problèmes qui font que le produit n'est pas scalable et rentable à partir du moment où il est scalé en tout cas. Et donc, en 2021, j'ai pu augmenter mes équipes et me rendre compte que ces produits de formation sont rentables même en scalant. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir encore développer tout ça. Et la troisième question, c'est est-ce que ça me plaît? Parce que du coup, plus on évolue dans un business et plus on fait évoluer la preuve de concept, plus on se rend compte qu'il y a des choses qu'il faut faire, des choses qu'il ne faut pas faire, etc. Et on se retrouve avec un rôle qui est peut-être différent de celui qu'on avait au départ. Et très clairement, mon rôle dans l'entreprise Référenceo aujourd'hui est très différent du rôle que j'avais en 2018 quand j'ai commencé à faire ce changement d'activité, on va dire, en tout cas ce pivot dans l'activité pour ne plus faire que de la prestation de service, mais rajouter à ça vraiment de la formation en ligne. Parce que ce ne sont pas les mêmes clients en face, ce n'est pas du tout la même façon de délivrer de l'information, ce n'est pas le même travail, j'avais pas besoin de faire de vidéos YouTube par exemple avant, j'adore ça, donc ça va, ça me plaît, ça répond au côté ça me plaît, il y a des choses que j'aime, il y a des choses que j'aime pas, ça pourra donner lieu peut-être à une vidéo, mais en tout cas ça me plaît la position que j'ai actuellement
dans l'entreprise, les tâches que j'ai à faire, le fait d'avoir une équipe à manager, le fait d'avoir des objectifs à fixer, à atteindre, et tout ce qu'il faut mettre en place étape par étape pour y arriver. Tout ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Donc ça fait que ces trois éléments font que je suis à la bonne place, au bon endroit, et que j'ai envie de continuer de développer l'activité de cette façon-là. Et donc, c'est là qu'on va pouvoir passer à développer le référencement naturel. Parce qu'il faut bien comprendre quelque chose, c'est si on n'a pas, en tout cas, le product market fit, c'est la première chose. À la limite, si ça ne vous plaît pas et que vous arrivez à faire de l'argent sur quelque chose qui ne vous plaît pas, c'est votre problème. Ça, c'est les choses qui sont importantes pour moi. Et peut-être que vous n'avez pas envie de scaler, d'avoir une équipe, etc. Donc pareil, ça, c'est vraiment mon cas personnel. Mais si on garde vraiment la question cruciale, c'est est-ce que vous avez un product market fit? Et souvent, quand on se lance sur le web, on se dit « Ok, on peut se lancer gratuitement, en n'y passant que du temps, etc. » C'est vrai. Mais il y a deux ressources en fait, il y a le temps et il y a l'argent. Si vous y mettez du temps, il va falloir être persévérant et attendre souvent longtemps parce que vous allez lancer votre business et peut-être que dans ce cas-là, vous allez faire du référencement naturel parce que vous allez produire des contenus, les rendre visibles, etc. Mais ça prend du temps, le référencement naturel. Donc, vous allez devoir attendre d'avoir une audience suffisamment importante pour lui proposer votre produit, votre offre et voir si ça fit, voir si ça coïncide, voir si vous pouvez faire du business de cette façon-là. Et si ça ne marche pas, parce que ça ne marche pas tout le temps du premier coup, c'est même très rare que ça marche du premier coup, vous allez devoir revoir un peu votre positionnement, peut-être changer un petit peu l'audience cible, voilà, faire des ajustements comme ça. Mais si à chaque fois que vous faites un changement, il faut attendre 6 mois et qu'il faut vous y reprendre à 4 fois pour que ça fonctionne bien, vous aurez mis 2 ans à trouver votre product market fit. Donc c'est très long. À l'inverse, mettons que vous avez moins de temps, mais du coup, vous avez peut-être un peu plus de budget, et bien vous n'allez peut-être pas faire du référencement naturel tout de suite parce que c'est long. Vous allez aller sur des options plus rapides. Par exemple, il y en a plein, hein, ça peut être faire de la publicité pour acquérir une audience, non pas en 6 mois, mais en 2 semaines. Et du coup, vous n'aurez pas besoin de 6 mois pour tester chaque chose, donc de 2 ans pour tester 4 fois, vous aurez besoin de 4 fois 2 semaines. Et donc là, ça sera 2 mois. Et c'est beaucoup plus cohérent de chercher à valider son product market fit dans un premier temps. Ça doit vraiment être votre cheval de bataille. Vous devez tout faire jusqu'à valider ce product market fit et après enclencher des éléments d'acquisition notamment parce que vous savez que 100 personnes de plus qui vous connaissent tous les jours par exemple vont faire du chiffre d'affaires au bout. Alors qu'au début, si on n'a pas son product market fit, on ne le sait pas. Et du coup, ok, on a peut-être 100 personnes de plus sur son site par rapport à il y a 6 mois, mais en tout cas, ces gens n'achètent pas plus. Donc, quel est le but d'avoir plus de trafic dans ce cas-là? Donc, il faut bien comprendre la problématique que ça a, le référencement naturel. Et c'est vraiment une problématique qu'on rencontre dans les personnes qui se lancent et qui se lancent par elles-mêmes et qui font tout par elles-mêmes, les solopreneurs. Et c'est génial, je suis comme ça, moi, à la base. Hein, donc, ce n'est pas du tout une critique, au contraire. Mais c'est un peu un avertissement. Hein, attention à ne pas se lancer corps et âme dans quelque chose qui va vous demander peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans avant de trouver l'élément juste en fait qui va faire que ça fonctionne bien. Parce qu'on sait que dans ce délai-là, il y en a qui vont persévérer et c'est très bien, c'est des battants, ils iront loin, mais il y en a plein qui vont abandonner et on les comprend bien. Parce que quand on lance un business, on n'a pas envie d'attendre 4 ans que ça commence à marcher un petit peu. Donc, il faut arriver à se situer, à savoir si c'est le bon moment ou pas pour vous de faire du référencement naturel au stade où en est votre entreprise. Donc dans mon cas, c'est ce que j'ai fait. J'ai d'abord attendu d'avoir vraiment quelque chose qui fonctionnait selon les 3 critères que je vous ai dit tout à l'heure, pas juste le produit market fit. Sinon, ça j'aurais pu du coup donner plus de poids au référencement naturel dès l'année dernière parce que le produit market fit a été validé, on va dire, fin 2020. Mais vraiment 2021, c'est celle qui m'a permis d'asseoir tout ça et de me rendre compte que ça correspondait bien aux 3 critères que j'avais envie d'avoir dans mon entreprise pour travailler à une évolution de tout ça. Et donc, dans mon cas, je ne me suis pas contenté de ne pas faire de référencement, j'ai quand même posé les premières briques. Et vous pouvez également poser les premières briques parce que le référencement naturel, ça reste quelque chose de très important, de très rentable et de très long. Donc, plus tôt vous le commencez, plus vite vous aurez des résultats. Donc, j'ai commencé à faire des articles de blog régulièrement, j'ai mis des petites choses en place comme ça, mais je n'ai pas fait ça dans les règles de l'art. Je ne me suis pas appliqué 100% sur cette tâche, ce n'était pas du tout la tâche principale. D'ailleurs, au début, j'ai un petit peu fait cette erreur, j'ai voulu faire les choses trop parfaitement, mais ça demandait trop de temps de travail finalement pour sortir ce dont j'avais besoin pour le référencement naturel. Et vu que ce n'était pas mon objectif numéro 1, le temps que j'y passais était trop important.
Je ne pouvais pas le passer du coup ailleurs. Donc, en milieu d'année 2021, j'ai même arrêté pendant un moment de faire des articles de blog. Et après, on a repris, mais avec une autre façon de faire qui nous prenait beaucoup moins de temps et pour laquelle on a pu être beaucoup plus efficace. Et même si on n'a pas mis toutes les briques, on a multiplié par deux à peu près le trafic qu'on a eu sur le blog entre le début de l'année et la fin de l'année 2021. Donc on voit qu'on a mis les premières briques en place et que là, en 2022, on va pouvoir vraiment essayer de refaire un x2, mais là avec des chiffres beaucoup plus importants et du coup, d'avoir un impact beaucoup plus important aussi sur l'acquisition. Donc si je résume, le fait d'avoir posé ces premières briques, ça me permet aujourd'hui de plus avoir à appuyer sur un bouton pour lancer la machine et que ça aille beaucoup plus loin. Alors quand je dis appuyer sur un bouton, c'est pas aussi simple que ça, mais ça veut dire qu'on sait déjà ce qu'on va faire. Et concrètement, ce qu'on va faire, c'est un travail sur trois pans. Il y a le travail sur les articles de blog, on va en écrire de nouveau. Ensuite, on va aussi, sur les mêmes articles de blog, reprendre les articles qui sont existants depuis un an, deux ans et optimiser ceux qui ont un gros potentiel pour aller chercher des meilleures positions. En second point, on va également créer un cocon sémantique. Je vous en dis pas plus, c'est en conception pour l'instant. Et il y a une vidéo que vous pouvez aller voir pour savoir un peu plus ce que c'est un cocon sémantique si ça vous intéresse. Et on va faire des backlinks. Parce que c'est ça qui va nous permettre de dépasser notre plafond de verre. Si on ne faisait pas ça, on va être limité au bout d'un moment où on va juste avoir les nouveaux articles qui se positionnent, mais on va être bloqué à des positions qui ne sont pas les positions optimales pour avoir le plus de trafic possible sur les articles qu'on a déjà travaillé par le passé. Donc ça va être ça nos trois angles, les articles de blog, le cocon et les backlinks. C'est avec ça et dans le cadre d'une stratégie bien sûr qu'on va mettre en place le référencement en 2022 et qu'on va normalement, c'est ce qu'on espère, avoir de bons résultats. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like dessus pour soutenir la chaîne et son référencement. Abonnez-vous aussi pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Il y a une vidéo tous les mardis à 11h et du coup vous pouvez également retrouver dans la description, si le référencement c'est quelque chose d'important pour vous, des ressources sur le SEO justement pour vous aider à mettre les choses dans le bon sens, dans le bon ordre, l'étape après étape, etc. et pour servir à votre succès et au succès de votre entreprise. Allez, on se dit à bientôt et n'hésitez pas à aller voir également d'autres vidéos de la chaîne.